Nouveaux affrontements vendredi matin entre pro et anti-Trump en Californie, dans le sud-ouest des États-Unis, en marge d'une visite du candidat républicain dans la course à la Maison-Blanche. Plusieurs arrestations et quelques incidents ont été enregistrés, malgré la forte présence des forces de l'ordre. De nouveaux incidents qui ont eu lieu au lendemain d'affrontements entre les deux camps du côté de San Diego, à la frontière mexicaine. D'après la presse locale, le discours du milliardaire portant sur la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique à ses frais et sur son intention d'interdire les drogues serait la cause de la colère des manifestants qui ont répondu par des actes de vandalisme. Plusieurs d'entre eux ont brandi des drapeaux mexicains, scandé des slogans anti-Trump et brûlé au moins un drapeau américain à quelques mètres du lieu de la manifestation. Mardi et mercredi, au Nouveau-Mexique et à Los Angeles, des heurts avaient également été enregistrés entre les deux camps, suivis d'actes de vandalisme et d'arrestation, toujours en marge des discours de l'ex-star de télé-réalité.